qui cherche à se frayer un chemin avec Nathan Jurkovic. La passe pour Jordan. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Jordan en voiture, la balle a circulé dans les mains. Ah oui, là, comme dans les manuels. C'est waouh, quel gros coup dur là pour le Fribourg Olympique. Tant Jordan va porter cette créativité qu'on recherchait. Il va falloir trouver d'autres sources du côté du Fribourg Olympique. En pénétration, Jean pour Nathan Jurkovic, il va pas trouver de solution. Nathan va devoir ressortir. Nathan qui rattaque le cercle, c'est compliqué. Et one. Oh là là, j'ai cru qu'il s'y fait le marché. Oui. On voit que ce premier quart a laissé des traces aussi du côté Fribourg-Jean. Oh, il se loue tant. Derrière la tête des jeunes voix, on le voit, il est quand même en confiance pour mettre de pareils tirs. Magnifique, hein, Robert Zine. Clairement. Attention. Ouais. Zekovic, le N1, c'est Arnaud Couture qui va écoper de cette faute. De ce match, lui qui a les plus utilisés par le coach team match. Avec Nathan Jurkovic, avec un petit peu de réussite, mais ça rentre. Fribourgeois avec Nathan Jurkovic pour Milos Jurkovic. La passe pour Arnaud Couture. C'est manqué, le découvercle. Il a mis le couvercle, Arnaud Couture. On a trouvé une relation. Pour son meneur, Kwame Mitchell avec Milos Jurkovic, ça pourrait lui faire du bien. Robert Zin, le flotteur, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Zin parce que s'il va au panier. Avec Milos Jurkovic qui fait beaucoup jouer ses coéquipiers. Milos Jurkovic, c'est compliqué. Oui, ça va lui faire du bien. C'est pas le plus académique, mais ça va lui faire beaucoup de bien, le Thomas. À lui de bien gérer ses fautes. Avec Boris Mbala qui est rentré sur le parquet en lieu et place de Nathan Jurkovic. C'est là, on n'a pas défendu. Hein. C'est clair et net. Il n'y a absolument pas de faute sur noté. Il faut jouer rapidement. Un contre un en pénétration. La balle récupérée par Sobolan Miljanić. Il faut jouer rapidement le coup. Et noté qui n'est pas là avec Gravet. Dans le corner, Miljanić en pénétration. Le 1-1 de Sobolan Miljanić. Avec Couture, j'ai eu peur qu'il s'emballe. Oui, j'ai pensé aussi qu'il allait tirer. Ah, c'est trop long. Oh là 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 là. Mais il s'est emballé, il s'est emballé. On n'a pas besoin d'être grand, hein. Il faut aller chercher ces balles qui traînent sur les deuxièmes opportunités après que les grands aient fait le boulot. Oh, et à nouveau, ouais, incroyable. À nouveau pour l'interception, Michel. Oh, pour Gravel Attack. Très loin, même sans Devante Jordan. Ça va être dur. On a besoin de, encore une fois, de gens qui montent leur niveau. Mais c'est tout à fait dans les corps des Fribourgeois. Et Robert Zin avec un point de réussite, mais ça rentre. Essentiel, Slobo Miljanić, alors qu'il était en difficulté. On s'en rappelle en début de saison. Mais ce qui compte, c'est à la fin. Hein, et donc, il est là. Avec, ouais, voilà, elle est bon, le dunk de Rams. Sur ce coup-là, espérons que ça se termine bien avec Solka. À l'intérieur pour Couture, le 1-1 de Arnaud Couture. Scott Sox, Boris Mbala sur l'action suivante avec Sox en pénétration. Les deux points pour Scott Sox qui continue à... Dommage, j'ai plutôt bien vu là, le coup de coaching de ce match de le sortir. Avec Mbala, oh, le couvercle pour la quatrième fois, si j'ai bien compté. À finir, mais il sent ses bons coups, vous avez raison de le souligner, Arnaud. Il suit toujours son coéquipier. Magnifiquement bien joué là de Arnaud Couture. Et le Fribourg Olympique qui va s'imposer finalement dans cette rencontre. 81 à 53 à Colin Sapin.